zone séculaire, une tour du 15e siècle se dresse devant nous. Elle appartient à la forteresse bâtie à Grotta Ferrata par la Rome papale il y a 6 siècles, qui était préoccupée de sa défense. L'emploi de l'artillerie avait en effet imposé de nouveaux systèmes de fortification. Tour près la guêpe, double ceinture de murailles, bastion, et le donjon qui surveillait le pont levis, jeté sur le côté ceinturant le mur. À Lourdes, la porte de la forteresse s'ouvre, et nous voici dans la cour d'armes, aujourd'hui déserte et plongée dans un silence de fer. En effet, bien longtemps que cette colline fut transformée en forteresse par Jules de Le Parc-Thierry, dont on conserve un portrait dans le musée aménagé dans la forteresse. D'autres guerriers, d'autres combats animent ce lieu depuis le jour où les moines venus de l'Orient s'installèrent dans l'abbaye. Ils recueillirent au cours des années des sculptures d'Hélénie, d'une rareté incomparable, et des marbres qui rappellent la fluidité des lignes de Sidiane. Ils conservèrent également des bas-reliefs en ivoire du début du Moyen-Âge, et les reliques de ceux qui se construisent en un demi-millénaire avec un amour infini, et que le temps et le mauvais goût d'époque décadente dispersèrent aussi peu. Derrière la masse du bâtiment du 15e siècle se cache le cœur de l'ancienne abbaye, l'église. Elle fut érigée dès le début du 11e siècle et le poète l'avait vue comme un aigle aux ailes déployées entre guerres. Voici le portail à Pronaos à la mode byzantine. À travers les marbres ajourés des petites fenêtres, pénètre la lumière dont s'éclaire la pièce de Narcisse, là où se trouvent les fondations, la plus ancienne sculpture de la Rome du Moyen-Âge. C'est peut-être le même burin qui, s'inspirant de l'art byzantin, grave le portail connu par le temps. Je suis la porte, avertit en grec le triste roi sur les ors de la mosaïque. Voici la prise de Ferré, fondement et origine de l'abbaye. C'est à travers cette prise que s'annule des lits de soleil. C'était l'an 1004. Dans les ruines situées sous une villa romaine, qui appartenait selon la légende à Cicéron, les premiers moines aménagèrent leurs petites cellules et vécurent de travail et de pénitence. Les voici, les moines d'Orient avec leur soutane à la grecque, comme nous avons, et avec leur couvre-chef caractéristique. Prière du matin, et leur journée laborieuse commence. Les uns vont étudier dans les bibliothèques ou dans les archives, les autres vont cultiver le jardin potager. Les fenêtres de l'imprimerie polyglotte donnent sur ce potager. Et cette imprimerie, qui publie en langue slave et grecque les livres de prière et les livres scientifiques, imprimés par les moines eux-mêmes, qui savent aussi bien se servir de la plume que de la linotaille. Amour du livre, non seulement ils en assurent la diffusion, mais avec une patience sans borne, ils en restaurent les exemplaires les plus anciens, incunables des manuscrits, qui ont été mis dans cet état, par exemple. La première opération la plus délicate consiste à arracher les incrustations extérieures.
la page ainsi nettoyée avec prudence est lavée finement dans des filets protecteurs spéciaux. C'est ainsi que l'on obtient une plus grande clarté et un renforcement de la page du papier. Celle-ci est enfin extraite du filet et étendue sur une vieille presse attelée à la main. Les parchemins sont traités différemment. Ils sont tout d'abord amollis dans un bain spécial, puis tendus sur un cadre. Ne semble-t-il pas que les moines soient en train de s'exercer sur des harpes et des clavecins, et qu'ils en tirent des harmonies lointaines? Ces moines travaillent justement pour donner une continuité à une harmonie, à la grande harmonie chrétienne, qui unit l'Orient et l'Occident, et transmet l'Antique au Nouveau dans une continuité et pérennité de vie. Ainsi, un livre confié au laboratoire dans ces conditions est restauré de la sorte. Il reprend sa place à la bibliothèque qu'il abandonna. Très souvent, à celle-là même de l'abbaye. Car au dernier étage, au fond d'une série de couloirs blancs et d'escaliers construits par ordre du cardinal Barberini et du pape des Monges, se trouve la bibliothèque. Un cadre du plus noble style du XVIIIe siècle. On y trouve des codes anciens et rares de la civilisation orientale du Moyen-Âge, théologie et art, philosophie et droit. C'est avec de l'or pur que furent ces cuisines. Et c'est en or aussi que le fond de cette évangélière, colorié avec la pourpre de l'Égée et le bleu des lapis lazuli de Royer. La miniature avait atteint un tel pape qu'aujourd'hui encore, dans cet art antique, subsiste à l'abbaye une technique transmise de génération en génération. Les yeux clairs et étonnés des novices adolescents, attentifs à la leçon muette de leurs maîtres austères et chimiques, sont le symbole vivant de cette continuité. Je suis la porte, avertit le Christ pour toi, qui les battants s'ouvrent. Et l'on pénètre dans le temple dominé par la grande mosaïque de l'Épimacia, c'est-à-dire la descente éternelle de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur leur trône, personnifie l'immuable autorité divine. Et les voici, les moines, qui sur cet antique pavement byzantin s'en vont à la rencontre de cet esprit consolateur. Au seuil du Dima, cette enceinte sacrée, réservée aux rites liturgiques, les accueille les icônes du Christ. Et de la Vierge Marie, aux grands yeux extasiés luisants, parfaitement harmonisés avec les chants orientaux, et les longues et très douces invocations qui s'élèvent dans une immobilité d'extase. Autour du grand hôtel carré,
les moines célèbrent la messe en commun, pendant laquelle l'archimandrite confirme l'éternel credo religieux en récitant le symbole des apôtres. C'est encore l'archimandrite qui, revêtue de ses ornements pontificaux, avec la tiare et la crosse pastorale, revient sur le trône parmi les moines à l'expression absorbée sévère comme celle des mosaïques. Les formes sont semblables, l'esprit est le même au-delà du siècle et des événements. Où est-il, sur ses remparts, le bruit des armes d'antan? Combien les fatigues des hommes qui courent derrière des chimères de conquête et de puissance, ils semblent stériles et vaines. Voilà un château fort qui voulut renoncer pour toujours à la guerre, afin de vivre dans une atmosphère de paix. Il y a donc une paix.